c'est Hightech Stock. Aujourd'hui, je vais vous présenter une enceinte Bluetooth. Alors, c'est le Bluetooth, c'est le tout dernier Bluetooth qui est en ce moment, c'est le top du top, c'est le 4.0. C'est vraiment la dernière technologie qui est sortie de maintenant. On est en fin 2015, donc le 4.0, c'est vraiment le top du top en Bluetooth. Donc, ce qui est assez bien, c'est que, et je remercie la marque pour vous faire une présentation de cette enceinte Bluetooth. Donc, c'est Divoom. Elle s'appelle Voombox, ils appellent ça comme ça. Donc, elle est portable, on l'amène où on veut. C'est un Bluetooth de 4.0. Elle est résistante à l'eau, elle a des super basses et elle a une autonomie en playback time. Donc, ça veut dire avec de la musique non-stop de 6 heures. Donc, c'est assez, assez surprenant pour une enceinte Bluetooth. Tout simplement, elle est dans une belle boîte assez rigide. On peut vraiment... Après, vous avez une petite fiche de description juste derrière. Un flux audio, sans fil aux haut-parleurs d'un appareil quelconque équipé avec le Bluetooth. Après, ils vous disent un radiateur passif génère une base impressionnante pour la source à taille. Un puissant microphone incorporé pour les mains, appels gratuits. Donc, vous pouvez aussi apparemment recevoir des appels et répondre apparemment. Donc, on est dessus. Donc, on a la petite ouverture qui est juste ici. Donc, comme vous voyez, donc on va faire l'ouverture ensemble. Donc, voilà, toute ouverture. Alors, la boîte, elle s'ouvre comme ça. Donc, une boîte vraiment très rigide, qui vient dessus. On a l'enceinte qui vient, donc de préférence. Hein. Donc, je pense qu'on a un joint qui vient dessus. Donc, ça va être pas un joint. Donc, je sais pas, c'est bizarre, il s'enlève pas. Alors, ça va être un joint de rechange. Le scotch, on l'amène ici. Donc, ça va vraiment assez solide. C'est en plastique. Une belle petite attache ici. Bon, c'est vraiment bien solide. Hein. Tous les écrous sont dedans. Un système de clé Allen qu'il y a dedans. Après, on a des tampons anti-glisse. On a deux haut-parleurs quand même de chaque côté. Donc, ça, c'est sympa. Bouton de volume. Agréable au toucher. Hein. Ah oui, voilà, vous avez la fonction appel qui vient dessus. Vous avez la fonction pour allumer, pour l'éteindre. Et après, on a les connectivités qui sont ici, représentées là. Donc, je pense qu'on va tirer ça. Donc, on a un branchement micro USB qui est ici. Donc, voilà, tout simplement. Et après, on referme. C'est vraiment assez sympa. On va faire quoi? On va l'allumer. Voir si ça s'allume, ça. Ouais, ça s'allume, ouais. Ouais, ça s'allume bien. On va prendre le téléphone. On va aller faire un petit test. On va mettre le Bluetooth. Donc là, je viens d'activer le Bluetooth. On va rentrer directement donc sur le Bluetooth. Et on va essayer de faire une petite recherche. Ils vont l'appeler comme ça, Medianav. AB Shooter 3, on va essayer celui-là peut-être. Medianav. Ah non, elle est là. On est bête. Elle est ici. Encore. Enfin, on va oublier ça. Donc on va éteindre le Bluetooth. Voilà, échec. Voombox Travel qui est ici. Donc on est en train de faire chercher. Automatiquement, on est bien connecté dessus. Donc on devrait normalement même recevoir nos appels. On va aller directement chercher la musique qui est ici. On va aller sur la musique. On va faire un petit test vite fait. Ah bah tiens, je vois devoir une petite lumière bleue qui est juste là. Donc voilà, qui est ici. Donc on ne regarde même pas la notice, on y va franco, franco. Hein. Puis voilà quoi. Donc un petit poids, assez sympa. Agréable au toucher. On va mettre cette petite musique ici. Donc vraiment un bon son dessus.
Vraiment, il y a un bon son. Franchement, c'est terrible. Franchement, c'est agréable. On va mettre pause. Donc, il y a vraiment un bon son qui vient dessus. C'est vraiment impressionnant d'avoir ça. On va vite voir ce petit emballage qui est ici. C'est pas trop cassé. On va venir là. On a un petit bouquin qui vient ici. Donc, on a un branchement qui vient dessus. Comme vous voyez, on est sur le micro USB, donc s'il veut venir se brancher directement ici. Tiens, on reçoit une notification, c'est assez sympa, on reçoit un son directement dessus. Branchement USB ou branchement jack qui viennent dessus. Donc pour l'alimentation USB et pour la musique, branchement casque, ce qu'on voit, ce qu'on peut brancher directement aussi. Directement sur votre iPhone ou directement sur autre chose. Après, vous avez un petit bouquin, un petit manuel qui vient dessus. Est-ce qu'on va avoir du français? Ça, par contre, je n'en sais rien. Donc, on va essayer de chercher un tout petit peu. Moi, j'aime bien commencer les choses sans lire les bouquins. Des fois, on se surprend dessus. Du français, je ne sais pas s'il y en a. Normalement, oui, il devrait en avoir. Là, franchement, c'est la marque qui nous a envoyé ça. Je pensais que ça aurait été en français dessus. Non, même pas. Bon, il n'y a pas non plus X raison. Hein. Il suffit d'aller chercher peut-être directement sur Internet et essayer de retrouver s'il n'y a pas un petit manuel en français. Bien sûr, il y a un manuel en français. Bah. Voilà, qu'est-ce que je dis comme bêtise, hein, voilà, marche à arrêt, bouton, ça vous explique tout. Je pense qu'il doit y avoir un petit plan, la LED. Bon, de préférence, il vaut mieux l'éteindre, hein, de préférence. En charge LED solide rouge, batterie chargée, le LED rouge disparaît. Écoutez, votre appareil audio donc compatible avec Bluetooth. Puissance de sortie 4 watts, réponse de fréquence entre 100 et 200 000 MHz. L'enceinte fait 312 grammes. Taille d'entraînement de pleine portée de radiateur passif. Donc il y a deux enceintes dessus. Quand même 75 décibels, c'est assez puissant. Jusqu'à 6 heures d'autonomie. Batterie capacité 550 mAh. Capacité de la batterie. Bluetooth 4.0. Portée sans fil jusqu'à 10 mètres. Donc oui, voilà, excellent. Hein, une très bonne batterie. De quoi s'amener partout, léger, c'est juste 300 grammes, on peut l'accrocher vraiment partout à notre pantalon. Donc voilà, je pense que je remercie donc la marque qui m'a envoyé ça, donc Divoom. Donc je vous mettrai quand même un lien en dessous de la vidéo pour acheter ça, vous le retrouvez directement sur Amazon, vous pouvez le retrouver aussi directement sur d'autres sites. Donc voilà, je voulais voir à quoi servait ce petit joint, doit servir à quelque chose, je sais pas, peut-être que c'est juste pour l'emballage, pour pas abîmer la grille, je sais pas du tout. J'ai quand même voir quand même ce que vaut ce petit jouet, on va quand même toujours le garder dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à laisser un petit j'aime si vous avez adoré cette petite vidéo pour Bluetooth, cette enceinte Bluetooth 4.0 qui est assez puissante, hein, pour du 4 watts, 75 décibels et à peu près 312 grammes. Donc n'hésitez pas à commenter, liker, si vous êtes nouveau, abonnez-vous, et nous on se dit à très bientôt pour une prochaine et pour de la présentation high-tech. Salut.